femme haïtienne, femme de courage et de détermination, véritable motrice de progrès, de stabilité, de paix et de développement. Je tiens à féliciter le gouvernement de la République d'Haïti pour ses déclarations publiques au plus haut niveau de l'État en faveur des droits de la femme, de l'égalité de genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Je voudrais également féliciter la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et son ministère pour l'ouverture du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, pour l'inauguration de la direction des affaires juridiques et de 4 maisons des femmes, pour l'arrêté régularisant le fonctionnement des maisons d'hébergement des femmes victimes de violences, pour la politique d'égalité femmes-hommes, ainsi que pour le lancement du 2e plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Des efforts tels que ceux déployés aujourd'hui pour reconnaître et encourager le rôle et la contribution de toutes les catégories de femmes sont également louables et méritent d'être multipliés. Comme vous le savez, les Nations Unies appuient les efforts visant à promouvoir la mise en application de ces engagements et d'assurer un accès plus équitable des femmes et des filles aux droits fondamentaux tels que le droit à la santé et à la santé de la reproduction, à l'éducation et à la formation, aux services de sécurité, à la justice, à la prise de décision et à l'information. Les Nations Unies œuvrent également au renforcement du cadre légal et des mécanismes de protection des droits de la femme et de l'égalité de genre. Cependant, la bataille pour l'égalité des sexes est loin d'être gagnée. En dépit des progrès accomplis, les instruments internationaux de promotion des droits des femmes ratifiés par Haïti, tels que la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, ne sont pas encore pleinement appliqués. Les femmes continuent à être sous-représentées dans les instances de prise de décision. Elles continuent de subir de façon disproportionnée les effets de la vulnérabilité économique et sont encore trop souvent victimes de violences et d'atteintes à leurs droits fondamentaux. Que cette journée internationale de la femme marque donc un nouvel élan en faveur de la traduction des instruments et engagements internationaux et nationaux en réalité quotidienne pour toutes les femmes en Haïti, pour que Haïti vienne plus belle et ailleurs. Comme le dit le secrétaire général, œuvrons donc en faveur de l'égalité des sexes, des droits des femmes et du renforcement du pouvoir d'action de celles-ci, quand nous avons tous à gagner à être sur un pied d'égalité. Bataille femmes, pays d'Haïti, commencée depuis l'indépendance. Ces femmes qui relaient Cécile Fatim, qui te marché mandé tout garçon, toute femme, est-ce que nous avons quitté petite nous vivre l'esclavage? Est-ce que nous pas bataille pour nous sortir dans la chaîne esclavage ça? Et bataille femme là te continuer. C'était une femme qui relait Toya, qui te levé des salines, qui te montré la bonne technique la guerre, qui pouvait te ban nous indépendance. Sans aller plus loin, drapeau nous. C'est une femme qui t'écoute. Les femmes pays d'Haïti fait l'histoire. Nous fait l'histoire et jusqu'à présent, nous continuons à faire l'histoire. Mais le plus gros défi aujourd'hui, c'est le défi de la pauvreté. Où jouent plus de femmes pauvres? Où jouent plus de femmes avec petits sous-bras? Où jouent plus de femmes qui n'ont pas de diplôme? Et journée aujourd'hui, bataille femme là a continué pour capable
kembe pays d'Haïti. Femme pays, nous faisons l'histoire. Nous prenons engagement pour nous retirer mi pays à la mal cité à chaque fois que ou même qui là ou fait sacrifice pour voyer petit tout l'école. Si pas de femme paysan, si pas de femme rurale, si pas de madame Sarah, je ne dis pas de ministre, pas de député, pas de sénateur. C'est grâce. C'est grâce à femme rurale qui pas qu'on lit, femme, les femmes tête marée, qui fait journée aujourd'hui, tout le monde qui est capable de réunir. Si pas de femme rurale, pas de microfinance, pas de la banque, pas de crédit. Parce que jour femme yo suspend prêti crédit, toute microfinance a fermé. C'est sous dos femme rurale. C'est sous la femme rurale que l'économie pays a campé. Si un jour, toute femme marche, mange kouit dans Port-au-Prince, dit, pas de changement, c'est réel comme à courir. Si c'est pour nous apprendre, important chaque jeune femme pays d'Haïti, je n'ai pas passé, nous pas de caffeine parler. Parce que pour nous dire qu'il y a ouverti l'école, c'est la tête femme qui a ouvert à jouer d'abord avant l'école à ouvrir. Femme n'a pas de vacances. Elle n'a pas de jour qui pour lui. Parce que chaque jour levé, la goumé. Nous mettons chapeau bien bas pour nous saluer toute femme pays d'Haïti. Pour nous saluer toute femme qui l'a marché journée aujourd'hui. Parce que femme l'a commencé à travailler depuis. Là, le coucher, tête li ap travail. Li levé, tête li ap travail. Pendant journée, li ap travail. Li pa gen yon lè ke li suspend travail. Jou que yo reconnaît droit femme là, c'est un honneur pour toute femme. Femme yo mérité gen jou ça. Femme yo mérité gen yon jou spécial pour yo parce que yo travaille pour ça. Gouvernement a fait un pile effort pour offrir égalité des chances. L'égalité des chances pour toute femme commence sous ban l'école. Journée aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a un gros pas qui fait avec le programme d'éducation gratis gouvernement. Côté, même si vous n'avez pas de moyens, vous avez une petite fille ou l'école. Parce que dans le temps, lorsque vous avez une petite fille, un petit garçon, vous avez fait choix. Vous voyez un petit garçon à l'école, quitter petite fille à l'encaille. Je ne dis à mesdames, nous ne pouvons pas faire choix ça encore. Parce que l'égalité femme et garçon, elle commence l'égalité dans le domaine formation. Marie Saint-Inou, voyez-vous une fille à l'école, pas quitter en dans le caille. Mais ça, je dis, c'est déclaré femme pays d'Haïti, c'est force et outil pour changement. Nous devons participer dans toute bagaille qu'a fait pour développement communauté nous. Pour nous arriver à faire ça, faut que nous fassions un plan pour toute bagaille. Faut que nous fassions un plan nous mêmes femmes pour nous gagner une profession qui ca permettre nous faire comme. Faut que nous fassions un plan pour nous développer business nous. Faut que nous fassions un plan pour nous capable jouir tout privilège que la vie a offert. Les nous arriver découvrir qui force nous représenter, nous va déplacer montagne la misère pour nous créer prospérité pour toute femme et tout garçon qui vivent dans la société. Les ça n'arriver créer une société sans force côté. Nous souhaitons toute femme pays d'Haïti. Toute femme paysan captant de nous là, bonne fête. Femme d'Haïti, je dis à nous toutes Kawel à Clé, programme développement, administration Matelia, à gouvernement la Motla, c'est avec tout le monde la fête. C'est dans même l'esprit ça. Ministère Condition Femme et Droit Femme a honoré je dis à plus passé 60 femmes.
qui sont dans 10 départements pays. Femme voyant ça, il y a plus passé 25 années depuis qu'il travaille dans divers domaines. Donc, l'agriculture, l'éducation, la santé communautaire et le commerce. Thème Nations Unies choisi pour 8 mars, c'est égalité entre femmes et garçons. C'est source de progrès et bien-être pour tout le monde. Ça veut dire bataille pour femmes et garçons, vine égal et gros, c'est une bataille qui est nécessaire. Ces batailles, ça, pour nous-mêmes, je dis, pour condition, la vie, tout le monde qui a changé, tout bon, le pays d'Haïti. Ces batailles, ça, pour nous mener, je dis, pour condition, la vie, tout le monde qui a changé, tout bon, le pays d'Haïti. Ces batailles, ça, pour nous-mêmes, je dis, pour nous gagner Haïti sans violence, sous femme. Sans exclusion, sans discrimination, côté tout le monde, femmes ou garçons, gen même chance, même privilège pour le travail, pour le vin mettre tête yo, pour le ka construire avenir dans respect et dignité. C'est égalité entre femmes et garçons qui pour mener dans un pays, qui pour mener nous dans une société sans force côté. C'est égalité qui permet de construire nos états de droit. Et c'est égalité qui permet de payer nous sous chemin de justice, démocratie, progrès et développement. Dans tout pays sur la terre, je dis, nous reconnaissons que les femmes ont dirigé, nous jouons plus bon résultat. C'est peut-être ça, le ministère des Conditions Femmes et des Droits Femmes, pas besoin de suspendre le travail. Pour le cas offrir mesdames, une bonne formation et encadrement pour le cas sortir dans le reste avec la misère. Pour le cas participer dans toute activité qu'a fait dans le pays. Parce que il est le temps pour nous avoir plus de femmes députées, plus de femmes sénateurs, plus de femmes entrepreneurs, plus de femmes avocats, plus de femmes directeurs de banque. Plus femmes ingénieurs, docteurs, agronomes, chauffeurs, directeurs l'école. Nous voulons voir femmes tout partout, dans tout ce qu'a fait pour Haïti avancer. C'est comme ça que nous avançons sur l'égalité femmes et garçons dans une société équilibrée. Dans l'esprit 8 mars, nous décidons, femmes et garçons à la ronde badée. Pour nous faire effort pour l'égalité à venir une réalité dans le pays d'Haïti. Nous disons toutes femmes voyant dans le pays d'Haïti, une bonne journée internationale, bon courage, parce que nous avons besoin d'un pile courage pour nous gagner une bataille d'égalité. L'église, où c'est la vie, où c'est la tranquillité, où c'est la paix, où c'est la vie.